Alors pour le prochain combo, c'est très simple, vous allez simplement retirer le thé vert pour avoir votre Yasushi, le wasabi de luxe et le poisson pourri. On va utiliser ça tout de suite en plein combat, c'est parti. Donc, Ria Sushi, poisson pourri, wasabi de luxe. Et ça va nous donner le même Magnus que tout à l'heure, avec un bon poisson, sauf que cette fois-ci, ce sera un Magnus, vous voyez, négatif. Donc on va voir tout de suite en fin de combat à quoi est-ce qu'il peut nous servir en attaque. Alors une attaque à 163, ténèbres 98 et 99% de chance de poison. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Très très bon Magnus d'attaque. En plus, bah, bien évidemment, vu que celui-ci est déjà altéré, il n'ira pas plus loin dans son attaque. Donc vous pourrez le garder autant de temps que vous voulez. Donc voilà, un petit Magnus assez intéressant. Et sachez que le Magnus positif que vous avez créé auparavant va finir par devenir un Sushi empoisonné. Donc ça peut être aussi assez intéressant, ça vous en fera deux. Donc du coup, voilà, on passe tout de suite au prochain combo spécial.